toi. Que tu entendais. Le côté obscur de la Force donne accès à de nombreux pouvoirs que certains jugent contre nature. Qu'est-ce que vous pourriez me donner? Tout. Un nouvel empire. Un nouvel empire. Trouve la fille. Termine-en avec les Jedi et deviens ce que ton grand-père Vador n'a pu devenir. On arrive dans 5 minutes. Julio, content de te voir. T'as quelque chose pour nous? Ça vient d'un nouvel allié, un espion au sein du Premier Ordre. Transférez le message. Faites-le parvenir à Leia. On va finir par se faire descendre. Bon, c'est bon. Je ne vais pas pouvoir nous sortir de là avec tous ces TIE. Je m'en occupe. Oh! J'en ai eu un! Il en reste combien? Beaucoup trop! C'est exactement ce que je me disais. Ha! Ramène-nous à la base. Tu crois qu'il fait quelle épaisseur ce mur de glace? Passons en vitesse lumière. Qu'est-ce que tu fais? Ricochets hyperspatiaux. Où t'as appris à faire ça? On s'accroche. Accrochez-vous! Et maintenant, on est où? Je sais pas et je m'en fiche. Soyez avec moi. Soyez avec moi. Soyez avec moi. Ça répond pas. Oh. Ray, sois patiente. Je vais faire la session d'entraînement. Mmh.
peut y arriver. Continuerai. Tu peux le faire. Je dois continuer. Continuerai. Tu peux le faire. Je dois continuer. Continuerai.
Ne vous inquiétez pas pour l'odeur, ce n'est que de l'insecticide. Ça pique un peu les yeux. Et je... Tu peux le faire. Je dois continuer. Continuerai. Tu peux le faire. Je dois continuer. Hey, le faucon est revenu. J'ai besoin d'une équipe incendie ici. J'en ai besoin d'une autre derrière. Go, go! Il y a une taupe dans le premier ordre et il nous a envoyé un message. Il semble que Palpatine soit de retour. Il a planifié sa vengeance, la plus grande flotte que la galaxie ait jamais connue. Cachée dans les régions inconnues, sur un monde appelé Exegol. Luke le cherchait. Il a dit que pour y arriver, il fallait avoir ça. Un orienteur Sith. Je vais reprendre ses recherches là où il s'était arrêté. Le désert interdit de passe à Anne. On y va ensemble. Chewie, t'as réparé ce compresseur ?
Si on passe à Anna. Mais qu'est-ce que c'est ? Ceci est la fête des ancêtres. À qui ? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Moi, j'ai jamais vu si peu d'orienteurs. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On parle aux gens. On essaie de découvrir ce qui a attiré Luke ici. Regardez le ciel et admirez les cerfs-volants au lieu de guetter les vaisseaux du premier ordre qui veulent m'arrêter avec ma famille. Grâce à cette fête... peut-être deviné, mais je ne suis pas d'ici. Je vous suggère de discuter avec... Ce n'est pas comme ça que j'imaginais notre première soirée disco silencieuse. Deux écrans sont cassés et un des DJ s'est éteint. Peut-être que j'aurais dû me contenter de booker les model nodes. Thank you.
se sent nu. Tous les autres étrangers portent de mal. Vous voulez vous rendre à l'autre bout de la planète? Reposez quoi que ce soit qui vous sert de jambe et montez dans un de nos engins. Voilà un des rassemblements de gens les plus bizarres que j'ai jamais vus. Et j'ai... Cet ermite bizarre n'arrête pas de plomber l'atmosphère. Il se balade avec son masque et marmonne « Ochi par-ci, Ochi par-là !» Eh ben, ça ne servira à rien. Essayons de demander à des gens du coin. Nambi-gima. Elle s'appelle Nambi-gima. C'est un très beau nom. Moi, c'est Ray. Tu ne peux pas te cacher, Ray. Quoi? C'est le masque, c'est ça? Je vais te trouver et te faire basculer du côté obscur. On verra ça. Mes chevaliers et moi allons traquer la pilleuse d'épave. Il faut s'en aller. Retournons au faucon, tout de suite. Leia m'a envoyé un message. Général Prohibition, nous cherchons Exegol. Luke et moi courchions un vieux chasseur de relais, Ochi de Bestoun. Il avait un indice qui pouvait nous mener à un orienteur. Il n'y en a eu que deux exemplaires. Nous avons suivi son vaisseau à travers la galaxie. Il était abandonné, près du canyon de Lurch. J'ai un mauvais pressentiment. Nous avons trouvé les fugitifs. Allez. Là, c'est Spider. Nous devons aller au vaisseau d'Ochi. Calme, ces trois PO. Faites-nous sortir de là. Cela ne m'inspire pas autant de confiance que vous le pensez, monsieur. Ils ont renvoyé des renforts.
déjà vu ce vaisseau avant. Des sables mouvants! Essayez de vous agripper! Ce supplice n'en finira donc jamais! Où sont les autres? Trouvons-les. Être quelque part dans ces galeries. Nous les trouverons, j'en suis sûr. Finn! Bon! Vous n'avez pas mentionné mon nom, mais moi, ça va. Peux-tu m'aider à traverser ici? Tous comme si nous n'avions pas senti le sol bouger. Je l'ai senti bouger, monsieur. La ferme, ces 3 PO. On dirait que tu connais cet endroit comme ta poche.
pas savoir ce qui a creusé ces galeries. Si j'en juge par la circonférence des parois du tunnel, il s'agit de... J'ai dit que je préfère pas savoir, du tout. Un squelette. J'aime pas les squelettes. Un squelette, ça ne présage rien de bon. J'ai cru qu'on allait y passer. Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Par où on sort ? Par là, il faut faire vite. Un speeder ? Je suppose que nous ne sommes pas les premiers à être venus ici. D'horribles choses ont été commises avec ça. Il y a une inscription dessus. Je sais très précisément où se trouve l'orienteur. Malheureusement, je suis dans l'incapacité mécanique de prononcer des mots traduits d'ici. Serpent ! Serpent ! Un peu de vie, un peu de mon énergie en lui. Continuons à avancer. On doit trouver quelqu'un qui pourra traduire cette dague. Un druide qui sert à quelque chose. Je suggère que nous revenions tout de suite au Faucon Millennium. Ils doivent être en train de nous attendre au Faucon. J'ai une bien meilleure idée. On ne peut pas voyager dans cette épave. On n'a pas vraiment le choix, ces trois PO. Joey ? Hein ? Oh ! Bonjour. C'est bon. T'es avec nous maintenant. Merci. Chewie avait la dague. C'était le seul moyen de savoir où est l'orienteur et il est parti. C'est très juste. L'inscription repose maintenant uniquement dans ma mémoire. Ah, ta mémoire ? Oui, maître Po. Je connais un craqueur de droïdes clandestin. Un craqueur de droïdes clandestin ? Mais il est sur qui, Jimmy ? Je sais ce qu'on va faire. Suivez-moi, je connais le chemin. Enfin, à peu près. Ça fait longtemps. Le premier ordre enlève les gens de chez eux. Espérons qu'ils n'ont pas pris notre craqueur de droïde. Cachez-vous, mais restez proches. Il y a des troupeurs pas loin. Je comprends pas ce qu'il dit. Attrapez-le !
l'impression que la porte est coupée. On dirait que la cellule d'énergie s'est détachée. Je veux pas rester au même endroit trop longtemps. Allez, les plus, avancez. Ça finira mal pour vous. J'ai des informations. Tu vois ces troupeurs? Faufile-toi derrière eux et abats-en un. Je m'occuperai de l'autre. Mets-toi à couvert, vite! Une autre porte sans courant. Vérifions les générateurs. Peut-être que la force peut m'aider à réparer ce générateur. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Fais-moi confiance. Ça va devenir beaucoup plus dur. Ces accréditations du premier ordre pourraient nous aider à traverser cette cour.
agir sur un et je m'occuperai de l'autre. Mais reste en arrière, sinon ils te verront. Désolé. On essaie de sauver la galaxie. Alors, sois gentil. Je vais sur les toits pour essayer de trouver le chemin. Julio Funky. Ouais, les chevaliers de Rennes nous ont montré sa photo. Seigneur, je vous en prie, ne me désactivez pas. Je n'ai jamais vu ces gens de ma vie. Bouge, coton-tige doré. Il n'y a rien qui regarde les droïdes ici. Ça, alors? On n'est plus en danger. Monte les escaliers. J'ai appris qu'on t'avait repéré à la porte du moine. Je pensais pas que tu serais assez bête pour retenir. Je vous présente Zori. Zori, je te présenterai. On a vraiment besoin d'un coup de main. Ça ne compte sans doute pas pour toi. Mais je t'aime bien. Je suis C3PO. Relation humain. Nous essayons de trouver Babou Frick. Des marcheurs, restez groupés. Je m'en occupe. Allez, on se dépêche. Génial. Attends, Ray, tu peux faire ton truc de lévitation des rochers sur la porte? Tu veux dire la force? Ouais, la force. Alors, tu peux? Allons sur les toits pour essayer d'éloigner quelques troupeurs. La planque est de l'autre côté de la cour. On se rejoint là-bas. Vous cherchez la fille? Oui, nous aussi. Malheureusement, nous ne l'avons pas encore trouvée. Super. J'ai peur qu'on ait peu de chances de passer inaperçu. Tant que nous y arrivons, maintenant.
Allons voir ton cracker de droïde. Il dit qu'il a trouvé quelque chose dans la mémoire cachée de votre droïde. Babou, est-ce que tu peux lui faire traduire ces mots ? Mémoire droïde vide. Vide vide. Oh ! Qu'est-ce que tu fais, C3PO ? Je regarde une dernière fois. Mes amis. Oh là ! Le destroyer de Ren. Chewie ! Il est en vie ! Il devait être dans un transport différent. L'orienteur de l'Empereur est dans la château forte impériale, sur une lune du système Endor, depuis la rive sud. Seule cette lame l'indique. Permettez-moi de me présenter. Je suis C3PO, relation humain-cyborg. Faut partir maintenant. Oh. Des autorisations d'atterrissage, n'importe quel vaisseau. Va aider ton ami,